courage. Comme papa Loïs a travaillé hier, il reste déjeuner avec moi ce midi. Du coup, toi t'as pris quoi? Un club sandwich au poulet, des beignets de mozza, ils sont comment? Ils sont bons. Et moi je me suis fait une salade avec poulet pané, concombre, mozzarella, avocat et salade. Voilà. Non, c'est pas des œufs, c'est de la mozzarella, chérie. Ah ouais. Voilà. Ça va toi? Non, fatiguée. Maman, elle est en train de tout trier. Je vous ai montré ce matin donc mon planning de rangement. Du coup, je suis en train de faire vraiment un tri en profondeur de la cuisine. Donc, je suis pas certaine d'avoir beaucoup de vlogs jusqu'à ce que j'ai fini de faire au moins la cuisine et je vais faire pièce par pièce. Ah, ça a l'air bon ton truc. Hein. Ça a l'air vraiment bon ton truc. Bon, allez, on va manger. Bye bye. Bon, ça fait une heure que j'essaye de faire la sieste à bébé Ellie. Elle veut pas. Donc du coup, voilà, elle est avec moi. J'ai essayé de me reposer aussi parce que cette nuit, j'ai dormi à peine 4 heures. Au boulot, au méga rangement, en fait, je fais vraiment un rangement de fond, pièce par pièce. Donc je pense pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Sinon, je voulais vous remercier pour vos commentaires adorables sur la vidéo d'aujourd'hui, donc d'hier, quand vous verrez ce vlog, qui est « Ma mère me maquille », donc « My mother does my makeup », que j'ai mis sur ma chaîne principale. Vous êtes vraiment adorables, vous êtes trop mignonnes. Faites pas attention à ma tête, c'est dingue. Pourtant, j'ai mis ma crème de nuit, le sérum énergie de vie, la totale hier soir. Ça veut pas. Donc là, je vais me remettre au rangement avec bébé Ellie qui joue au milieu. Voilà. Voilà. Comment vous dire que c'est une galère. Bon, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, mon ange? Il est où quoi? T'as mis tes jouets partout, t'es au courant? Ah, et le pinceau pour te maquiller, chérie? Oui, mais alors attention. Bon, il est 16h, il fait super lourd. J'ai bientôt terminé la réorganisation de la cuisine. Il me reste encore la partie four, micro-ondes, biberon à faire. C'est assez galère, je dois l'avouer, parce que en fait, quand j'ai emménagé ici, j'étais enceinte de 9 mois. J'ai accouché 10 jours après l'emménagement. Donc du coup, j'ai pas eu le droit de m'occuper du déménagement et donc de l'organisation. Et je pense que c'est aussi pour ça que depuis qu'on a emménagé, c'est pas super rangé la maison. Parce que bon, j'ai pas vraiment eu le choix. Il y a plein de trucs que j'ai pas choisi, donc ça m'a saoulée. Donc du coup là je vais m'y remettre, je vais essayer de terminer rapidement la cuisine pour pouvoir faire une pause et puis sortir certainement. Il y aura voilà tout à l'heure. Regardez qui c'est qui est là. Bonjour. Elle se recoiffe à chaque fois. On est en train de regarder la vidéo avec ma maman. C'est encore le bordel dans le salon, faites pas attention. Je suis en plein rangement. Bon, on va aller faire des petites courses pour sortir et il y aura de toute façon. Bon, quand Salomé on ira. On prendra la trottinette et on fera ça. Alors ça y est, on est sorti et du coup comme il fait pas bon, on va aller à la bibliothèque pour amener les livres et puis peut-être que je vais quand même l'amener au parc pour qu'elle court un petit peu. On va voir ça. Bon bah en fait je vais toujours à la bibliothèque quand elle est fermée. Ça fait deux fois de suite en fait que j'y vais les jours de fermeture, tout va bien. Tout à fait normal, elle est fermée le vendredi et le lundi et j'y suis allée vendredi et aujourd'hui donc lundi. Bébé Ellie du coup elle a été jouer au parc. Elle a mis son beau sac. T'es contente? Je crois qu'elle est contente, que ça lui a fait du bien, mais il fait pas très beau et comme elle a pas fait la sieste c'est un petit peu compliqué. Donc là on rentre tranquillou à la maison. Tu rentres à la maison, bébé? On va prendre un bain pour te calmer parce que t'es très énervée. Il va falloir que je vide la carte SIM de la caméra et on se retrouve après. Qu'est-ce que tu fais, amour? C'est la brosse de maman? Bon, Ellie, là, elle est dans le bain, donc je la vois. Et je crois, j'ai demandé à ma mère de venir en fait parce que je crois qu'elle me sort les boutons de la varicelle. Et là,
Il y a moyen que ça m'embête, mais alors vraiment très très fort. En fait, d'après les descriptifs médicaux que j'ai lus, ça fait des plaques rouges avec au milieu une petite cloque. Et elle en a deux, trois là. Alors j'espère que c'est des boutons de moustiques qu'elle a gratté vu qu'on était dehors au parc, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai demandé à ma maman. Bon, Ellie, il y a plusieurs boutons qui sont sortis pendant le bain. Du coup, je viens de la sortir et je vais transmettre l'ordonnance que le pédiatre m'a donnée la semaine dernière à Papa Loïs pour qu'il aille à la pharmacie me rapporter le Doliprane et les petites crèmes, les trucs anti-démangeaisons. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Dis ça à tétine de son père. Tu fais coucou les filles. Ça. Oui. Fais coucou les filles. Tu m'appuies. On n'a pas besoin d'appuyer, ça marche. Coucou. Et le bout. Et voilà, bébé Ellie est en train de dîner. Elle a un petit peu de cordon bleu, des tomates et des courgettes sautées. Tout simplement. Alors, elle se gratte pas mal. Elle a pas mal râlé jusqu'à ce que je lui donne à manger. Là, ça va mieux. Loïs est allée à la pharmacie chercher des médicaments parce que du coup le pédiatre m'avait déjà donné une ordonnance pour la soulager, pour éviter qu'elle se gratte quoi, et puis après des trucs pour désinfecter. Mais comme il a beaucoup de monde au resto, il peut pas du tout s'absenter. Donc on va voir, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner du Doliprane avant de la coucher. Voir si ça marche. Elle a pas fait la sieste aujourd'hui, alors c'est peut-être ça, peut-être qu'elle était pas bien, que ça l'a démangé, voilà. Je pense que c'est lié parce que normalement elle fait bien 2 heures de sieste en ce moment. Mais bon, au moins elle mange bien, c'est déjà le principal. Bon, les courgettes et tomates, j'avoue, elle veut pas trop les toucher pour l'instant. Coucou, galaya, la, la, la. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Thank you. Je viens la maman. Et voilà, il est 8h passé, c'est l'heure du dodo pour Ellie. Donc comme elle est très énervée, je vais avoir un peu de mal à la coucher. Elle est très énervée parce que ça la gratte, ça la démange partout. Donc comme je vais avoir un petit peu de mal à la coucher, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas filmer comme d'habitude. Et puis j'essaye aussi de varier un peu les plaisirs, comme on dit, pour que vous voyez pas exactement la même chose tous les jours, parce que sinon c'est pas très intéressant. Les doigts, chérie. Donc là, elle s'est mise dans son placard et donc ça, c'est vraiment signe que je vais avoir du mal à la coucher. Sauf qu'elle n'a pas fait la sieste, que je n'ai dormi que 4 heures, qu'elle est insupportable, que j'ai pas fini de ranger la cuisine comme je voudrais. Je suis là, chérie. Donc il faut vraiment qu'elle dorme maintenant puisqu'il est 20h et que c'est donc l'heure du dodo. Tu veux la tétine? Alors viens, on va la chercher. Tu dis au revoir d'abord. Dis bye bye, mon cœur. Tu dis bye bye, les amis.